Ok, salut à tous. Voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce que j'utilise personnellement pour gagner sur un XBET, plus précisément sur le jeu FIFA Championnat d'Italie. C'est une astuce qui marche très 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 bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu FIFA Championnat d'Italie, c'est très simple. D'abord, pour retrouver le jeu, vous devez simplement, vous êtes là sur la page d'accueil comme ceci. Alors vous cliquez sur tout à ce niveau. Et là, vous avez eSport juste là à droite. Donc là, vous cliquez dessus. Ça, c'est pour ceux qui ne savent même pas où il y a le jeu. Et là, directement, vous avez FIFA. Une fois que vous êtes là, vous avez toute une liste de jeux FIFA. Et je rappelle, les jeux FIFA, ce sont des jeux virtuels, ce sont des jeux qui se jouent comme ça au courant de la journée. Ce qui nous intéresse ici, c'est le FIFA 23 Championnat d'Italie. Donc là, on va cliquer dessus. Vous avez un match qui est en cours là en haut. Le score est à 5-1. Juste en bas, vous avez ce match entre Naples et Milan qui va commencer dans 3 minutes. Et le prochain match sera Udinese et là, ce qui va commencer dans 23 minutes et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que les matchs FIFA se jouent au courant de la journée. C'est dit, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les matchs. Là, vous avez les différents temps de début ainsi que les différentes cotes. Là, c'est l'explication vraiment pour ceux qui ne... Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu en question, ils ne savent pas où trouver le jeu. Donc là, vous savez là comment trouver le jeu et comment vous pouvez jouer. Alors là, vous avez les différentes équipes. Comme vous pouvez voir, vous avez les côtes. Et justement, ce qui nous intéresse ici, et c'est l'objet de la vidéo, c'est que vous voyez les différentes équipes italiennes. On va nous intéresser plus précisément à l'Inter de Milan. Vous voyez, chaque équipe est programmée à tour de rôle. Là, on n'a pas Inter là. Peut-être dans 2-3 matchs, Inter va s'afficher. Et ce qui est très intéressant ici, là, on va aller au niveau des résultats. Là, pour ceux qui ne savent pas comment on regarde les résultats dans 1xBet, là, vous pouvez profiter pour voir. Lorsque vous cliquez sur le menu là, vous cliquez juste sur sport à ce niveau, ok, voilà, et là vous avez résultat juste en bas, donc vous avez résultat à ce niveau-ci. Donc là vous cliquez sur résultat, si vous recherchez des résultats du foot d'hier, vous pouvez les retrouver directement ici. Là c'est pour ceux qui ne savaient même pas que c'est possible, donc là on va aller sur la journée du 28, voilà. Là, vous avez les différents résultats d'hier. On va checker peut-être la Ligue 1. On a PSG qui a fait 2-2 et ainsi que tous les autres résultats. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez regarder tous les résultats passés directement sur un XBET en procédant comme ceci. Alors, ce n'est pas le foot qui nous intéresse ici. Lorsqu'on est au niveau du résultat ici, on va regarder les résultats pour le jeu FIFA. Donc là, on va rechercher le jeu FIFA. Voilà, là, on a le jeu FIFA. On clique dessus. Et ce qui nous intéresse précisément, ce sont les résultats du championnat d'Italie. Là, on a les résultats du championnat d'Italie à ce niveau. Et là, on va rechercher ensemble. Et c'est le moment d'être vraiment attentif pour faire la même remarque que moi j'ai faite. Et c'est justement cette astuce qui me permet de gagner. Là, on va rechercher parmi les résultats uniquement les résultats de l'Inter de Milan. Et vous allez faire le constat avec moi. Donc là, on va rechercher. On a le premier résultat de l'Inter de Milan. Je rappelle, ça c'est pour la journée du 28, dont la journée d'hier. Donc là, on a le premier match Inter de Milan, 6-0. Un autre match, 2-0. Donc là, on va continuer à rechercher. Vous allez faire la même remarque. Inter de Milan, 3-0. C'est dit, les gars, ils n'ont pas encore perdu jusqu'ici. Donc, Inter de Milan, encore 2-0.
On doit être à 3 ou 4 matchs, que des victoires, que des victoires. Inter de Milan, 5-0. On va rechercher encore. Inter de Milan, 2-0. Je ne sais pas si c'est le dernier match de la journée. Là, il y a encore Inter de Milan, 2-0. Et voilà. Donc, vous voyez que sur toute la journée, les gars ont gagné pratiquement tous les matchs sur la journée du 28. Là, on va remonter peut-être en cette journée au 29. Voilà. On va rechercher uniquement Inter de Milan. Donc là, on a un premier match Inter de Milan 3-0, Inter de Milan 2-1. Là, on va continuer. Inter de Milan 5-1, Inter 4-0. Donc, je pense que vous avez déjà compris la force de frappe de cette équipe dans ce championnat d'Italie. Inter de Milan 6-0. Je ne sais pas s'il y a encore un match. Je ne sais pas si j'ai sauté ou j'ai loupé. Je ne sais pas. Inter de Milan 3-0 encore. Qu'est-ce qu'on a encore? Inter de Milan 2-1. C'est-à-dire que les gars n'ont pas encore perdu de match carrément. Mais ça ne veut pas dire que cette équipe ne perd pas. Je ne sais pas, on va prendre une journée peut-être par hasard comme ça. On va prendre, je ne sais pas, le 26, le 27. Ils ont même le 26 comme ça. On va essayer de vérifier. Inter de Milan 5-0, Inter de Milan 4-0. Vous voyez que c'est une équipe qui a l'habitude de cartonner seulement, mais je pense que j'ai déjà vu une ou deux défaites. Voilà, là on a un nul. Voilà, parce que une équipe qui ne fait que gagner, c'est pas possible dans les paris sportifs. Donc Inter de Milan 5-1, Inter de Milan 1-1. Voilà, donc vous voyez que c'est une équipe que vraiment au courant de la journée, si on ne parie que sur Inter de Milan à la fin de la journée, on sera forcément gagnant. Et c'est justement je sais pas s'il faut appeler ça comme ça, cette faille là que j'exploite de temps en temps à longueur de journée pour essayer de me retrouver à la fin de la journée gagnant. Donc là vous avez fait le même constat que moi. C'est une remarque que j'ai faite et je voulais la partager avec vous. Et voilà, beaucoup de petits constats comme ça sont faits et nous partageons cela dans notre canal Telegram. Ceux qui ne sont pas encore dans le canal Telegram, le lien du canal Telegram se trouve dans la description de cette vidéo. Ou alors vous pouvez tout simplement aller au niveau de Telegram. Voilà, vous êtes dans Telegram là, vous recherchez tout simplement Afrique Sport. Voilà, vous avez Afrique Sport là. Voilà, vous vous abonnez et vous auriez tous nos coupons, que ce soit les coupons de montante, les coupons de paris combinés, vous auriez tout cela de ce côté là. Donc je vous ai montré comment trouver le jeu FIFA. Là vous pouvez tout simplement aller à ce niveau et commencer. Vous devez être patient parce que les matchs se programment au fur et à mesure. Donc là on a les prochains matchs. Inter n'est pas encore là, mais d'ici quelques minutes, Inter va pouvoir jouer. Et généralement, les codes sont toujours de ce genre. Code de 4, code de 2, 1,48, 1,80 et tout. Donc, ce sont des codes qu'il faut exploiter tout au long de la journée et parier sur l'équipe vraiment qui est en forme. Et voilà, au niveau de ce championnat, Inter domine largement. Les gars, ils peuvent gagner vraiment 18 matchs sur 20, carrément. Donc, c'est la petite remarque que j'ai faite et que je voulais partager avec vous. On s'abonne, on laisse un pouce bleu et on partage la vidéo pour que les autres aussi puissent en profiter. Voilà, pour ceux qui veulent créer leur compte 1xbet et placer des paris comme ça avec nous et gagner comme nous, c'est très simple. Vous allez simplement dans votre navigateur comme ceci. Vous tapez 1xbet. Voilà, vous tapez 1xbet. Vous entrez directement dans le site en cliquant sur le premier résultat. Là, on va patienter. Une fois que le site sera ouvert, vous allez tout simplement aller au fond de la page. Voilà, là, c'est ouvert.
Vous allez simplement au fond de la page et là, vous avez l'application qui vous est proposée. Donc, vous cliquez dessus, vous téléchargez. Là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Alors, une fois que vous auriez téléchargé l'application, voilà, vous lancez l'application comme ceci. Cela va s'ouvrir, ça va se présenter comme ceci. Et là, vous cliquez tout simplement sur inscription et vous choisissez l'inscription par numéro de téléphone. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de remplir votre numéro de téléphone à ce niveau. Et juste en bas, on vous demande un code promo. Alors, à l'endroit du code promo, il est très important que vous mettez le code promo MANA comme ceci, MANA 64. Donc, vous mettez MANA 64 comme ceci. Vous cochez toutes ces petites cases-là et vous validez votre inscription en bas sur le verre. Lorsque vous introduisez ce code promo MANA 64, cela vous permet à vous de doubler le premier montant que vous allez déposer sur votre compte et d'avoir droit aussi à plusieurs autres avantages qu'on ne va pas citer ici. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez déjà faire votre premier dépôt et commencer à jouer nos pronostics que nous donnons sur la chaîne. Faites donc cela et on se retrouve demain pour partager encore ensemble d'autres pronostics.